Plaisir de revoir des anciens coéquipiers, certains qui sont des amis. Voilà, après le groupe a pas mal changé depuis quelques temps. On retrouve aussi notre ancien entraîneur qui maintenant voilà, est à Luzenac. Donc c'est une rencontre un peu particulière, il va falloir mettre ses émotions un petit peu de côté et faire le match qu'on sait faire depuis quelques temps. On connaît les qualités voilà, des joueurs adverses, on s'attend à avoir un match compliqué. Il va falloir qu'on continue à jouer avec nos principes, notre savoir-faire depuis quelques temps qui fait notre force. Et après voilà, on espère avoir un dénouement positif. La course en tête est serrée, on a deux points de Narbonne et un point de Saint-Estève. Et on sait que si on veut rester dans le bon wagon, il va falloir faire une belle prestation aujourd'hui et prendre les 3 points. Il y a longtemps que je n'ai pas réussi. Alors David, comment s'annonce ce match? Ah ben super, c'est une belle affiche dans le football Midi-Pyrénées, c'est une super affiche. On est pressé, on est motivé pour en découdre avec cette belle équipe de Toulouse Métropole. Est-ce que vous êtes dans une bonne dynamique en championnat là, depuis quelques temps? Ah oui, on est sur 8 matchs avec 5 victoires à 3 nuls, avec de bonnes prestations, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Donc là, c'est vraiment chouette de... C'est une belle affiche, c'est un derby, quoi, parce que vraiment, Toulouse Métropole a une belle histoire de football aussi, et nous aussi, donc du coup, c'est deux grands clubs qui se rencontrent, et j'espère qu'il va y avoir un bon match et que le meilleur gagne. Qu'est-ce que vous redoutez le plus de cette équipe de Métropole, qui fait un bon championnat? Sa qualité technique, sa qualité physique, ils sont troisième, ils sont en confiance aussi, et là, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, avec de bonnes individualités. Bon, mais je crois que nous aussi, on a de bons joueurs et je crois qu'on est capable aussi de faire une bonne prestation. Merci beaucoup. Avec bon plaisir. Match. Il va piquer.
la pause de compte, ils n'ont pas le droit. Ah, il m'a tué, voilà, il m'a tué. On sait que là, la tireur est pas seule. Bien sûr, parce que la pression est dingue. Allez, 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 putain, allez, 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 allez. Oh, il en faut un temps. Oh, j'y ai. Oh, j'y sais, j'y sais. J'y sais, j'y but. J'y sais. J'y but, j'y but. Ouais, je... Non. Ouais, là, non. Il n'y a pas de goal, frère. C'est pas de goal. Voilà, il n'y a pas de goal. Ça, c'est mon gros, mon arc. Moi, je comprends pas. Oh, voilà que... Il a fait son sapeau, les gars. Quel wasp!
Quel voleur! C'est bien. Tu mets le but de la fin là? Bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que je fais une frappe vraiment et je me la rate. À l'échauffement, on a vu, on s'est chauffé ici, j'ai chauffé le gardien. On a vu qu'il y avait des faux rebonds. Et là, voilà, je prends la balle, je la frappe un peu mal, mais il y a un faux rebond. Le goal, c'est pas le vrai gardien. Il a fait de gros arrêts et tout, mais là, bon, voilà, il se trouve sans faire exprès. J'ai de la chance et voilà, ça fait plaisir. C'est quoi les sensations qu'on a vu là, tout le groupe venir? Ça fait plaisir parce qu'on est à 10 depuis même avant la moitié de la première mi-temps. On a eu beaucoup de mal, on a fait tous les efforts. Et voilà, c'est récompensé. Je pense qu'on a fait un gros match, tous. Et voilà. Comment t'expliques la dynamique actuelle? Parce que vous êtes vraiment dans une bonne phase. Eh bien, en championnat, on est vachement bien en ce moment. Juste, on perd en coupe contre en coupe d'Occitanie. Mais voilà, là, sur le championnat, il faut continuer ainsi. On est très bien comme ça, et voilà. Merci beaucoup et merci, bravo. À vous, alors Adèle, c'était dur là? Bah, c'était très dur. Très dur contre une bonne équipe de Métropole bien en place. Après voilà, après, je pense que le tournant du match, ça a été le rouge et la blessure de leur gardien. Donc nous, déjà, ça nous a mis en difficulté le fait de jouer à 10. Eux aussi, ça les a mis en difficulté le fait de ne pas pouvoir évoluer avec un gardien. Donc les deux équipes se sont battues comme des fous. Là, il y a eu une débauche d'énergie extrême. Et, bon, après voilà, après ça... Il y a un coup du sort, on marque à la fin et voilà, ça fait du bien, surtout au point de vue comptable. Et voilà, on continue notre belle série après le revers qu'on a pris en coupe. Donc voilà, c'est bien, il faut continuer. Alors, on a gagné aujourd'hui contre une très bonne équipe de Métropole, mais bon, il faudra continuer, travailler, et bien travailler pour le prochain match. Merci beaucoup, bravo. Bravo, bravo. Allez, plus loin, allez, avec ta frappe là. Avec ta frappe là! Tu peux y aller, gros! Tu peux y aller avec ta frappe! Allez! On l'a eu, hein! Ah! À 10 là! On mène à la pause, on joue à 10 et on arrache la victoire, toujours en continuant à jouer à 10, donc bien sûr que c'est une très grande satisfaction. Après. Je pense que Luzonac avait été touché match aller de ne pas prendre plus de points. Ce soir, c'était notre revanche. On a fait ce qu'il fallait pour gagner le match et on l'a bien fait. Le match a tourné forcément quand on perd notre gardien de but. Donc on maîtrisait, on avait la possession, contrôle du ballon jusqu'à cet incident. Après, ça déstabilise complètement le match. Donc à partir du moment où on n'a plus de gardien, bon c'est pas une excuse, hein, mais après on n'a plus de gardien. Donc du coup on fait passer des joueurs qui ne sont pas forcément à leur poste. Il y a l'énervement je pense aussi qui vient avec, donc ça suit le cours. Et après forcément bah, on revient un partout. Il y a plein de petits faits de jeu qui font que je pense que les positions d'enjeu, enfin bref. Voilà, on perd, je suis pas sûr que ce soit logique, mais. Voilà. On voulait avoir la possession du ballon. Quand on était 11, on a bien démarré le match d'ailleurs, on était dans ces intentions-là. Après à 10, il a fallu s'organiser, mais après on est resté avec un bloc un peu plus bas et puis on a contenu un petit peu les assauts de Métropole. Après ils ont trouvé cette ouverture sur un relâchement quand même, parce que c'est vrai qu'il se retrouve vraiment seul, c'est Starry. On connaît sa finition, il l'a fait proprement. Je crois que le mérite en revient quand même à notre équipe parce qu'on a pris le but. On est resté quand même organisé avec l'intention de vouloir le gagner parce qu'on a fait quelques assauts. Et puis à la fin, bon, ça nous sourit parce que c'est pas le gardien type. C'est pas un vrai gardien, mais bon, ça nous sourit. On est allé la chercher. C'est quand même la 13e ou 14e. Je pense qu'on a du mérite de se retrouver encore dans cette situation pour aller gagner. Donc non, moi je félicite mes joueurs. Et ce soir ont été exemplaires. Devant, il y avait Yacine qui était dans un rôle un peu dur. Vous étiez à 10, il s'est bien battu, non? Malgré un mauvais choix à un moment donné de lucidité. Mais... Oui, il aurait pu certainement donner ce que vous voulez dire, mais il a fait un match énorme. Donc c'est difficile quand le garçon mouille les maillots comme ça de reprocher des choses. D'ailleurs, on est resté calme et puis derrière, ben, c'est un des rentrants qui fait la différence. Donc ça montre bien l'état d'esprit du groupe. Qui avait à cœur de faire un résultat et on l'a fait. Et derrière, vous aviez trois joueurs costauds dans l'axe et notamment il y a le jeune Smane, Hérité. Ouais. Il a fait un gros match, il est intéressant ce jeune, il progresse cette année. Oui, il est dans une bonne dynamique, mais surtout,
il joue à côté de joueurs expérimentés. Je pense que nous, les conseils qu'on lui donne, c'est que ça viendra du terrain et c'est les joueurs qui lui donnent tout ce qu'il peut, tout ce qu'il pourra gagner cette année. Ça sera les deux gars qu'il a à côté de lui. Donc il est intelligent pour écouter, regarder. Donc ça fait progresser. Tant mieux pour lui et c'est ce qu'on nous on l'encourage à ça. S'il y avait du positif à retenir aujourd'hui, ça serait quoi alors, sur la prestation? Positif. Moi, j'efface pas tout par rapport à ce qu'on a produit. Hein. On a essayé de produire comme d'habitude du jeu, on a essayé de faire un press, on a essayé de défendre nos valeurs au max. Et après, bon, ce fait de jeu-là nous flingue, hein, sans gardien, c'est difficile. Le dernier but qu'on prend, c'est une frappe qui a aucune incidence, mais c'est un joueur qui est dans les buts. Voilà, donc ils sont venus, ils ont fait leur taf, hein, et ils repartent chez eux, c'est bien. Après, voilà, il y a juste certains comportements qui ne sont pas forcément très positifs, hein, pas que forcément mes joueurs, mais bon. Il y a des choses qui sont pas top. Mais bon, après, on apprend ses erreurs, hein, c'est un match perdu, on a perdu une bataille, pas la guerre. Donc on va se repositionner, on va se remobiliser plutôt, on va dire ça, pour les prochaines séances et on essaiera de revenir plus fort, tout simplement. Un petit mot sur les prestations de vos joueurs. Un jeune, je crois, il vient de Balma, je le trouve intéressant de manière générale. Lequel? C'est Mathieu Boguet, non? C'est quoi ça? Ah, Timothée. Timothée, ouais. Timothée Boguet, ouais. Joueur intéressant. Pas son meilleur match aujourd'hui, mais... Non. Après, joueur intéressant, ouais, il monte en stats, au niveau, il manquait un peu de performance sur ses prestations, donc ça fait quelques matchs, quelques sorties, il performe, il stats, donc aujourd'hui un peu moins, mais bon, après c'est comme ça, hein, mais joueur intéressant, mais après c'est des jeunes joueurs, hein, c'est des jeunes joueurs qui ont encore pas mal de choses à faire, pas mal de progression, donc on va essayer de travailler encore sur ces jeunes pour qu'ils puissent grandir un peu plus, voilà, avec nous. Parce que le classement là il est toujours bien serré, vous êtes toujours en course. Ouais, je sais pas, le classement, moi je le regarde pas spécialement, je sais qu'on est là, c'est très bien. La défaite, ça nous fait mal, bien sûr on souhaite gagner tous nos matchs, mais après nous on va se concentrer, se centrer surtout sur nous-mêmes. Et après adviendra ce qu'il adviendra. Hein. Il y a un bon état d'esprit général, on a eu deux défections ce soir, on aurait eu deux joueurs qui auraient pu jouer, qui ont fait une défection jeudi soir l'entraînement. Donc je pense que c'est un état d'esprit général. En fait, voilà, les joueurs ont cette notion de vouloir défendre l'Ariège, les couleurs du club, l'Uzonac, et ça se voit, tout le monde s'est bien battu, mais après voilà, c'est un match de plus. On sait qu'on a encore des gros matchs qui arrivent, mais on est content de ce soir parce que c'était une belle revanche et on a montré un beau visage. Sur le but, on a vu tout le groupe, vous y compris, aller sur le terrain, là, c'est quoi, c'est l'osmose, là? Ben ouais, c'est une des joueurs, on les a quand même, vous savez, la défaite de Combouné a fait mal, elle a fait mal à tout le monde. Aussi bien aux joueurs, aux dirigeants qu'aux supporters. Et c'est vrai qu'il fallait une grosse réaction. Nous, on avait un petit peu, en tous les cas, amorcé l'idée là-dessus et les joueurs, ils ont vraiment répondu. Quand un groupe se bat comme ça, ça donne de l'ambition pour la suite, mais en restant très serein aussi, parce que tous les matchs, on le voit, ça ne se joue pas grand-chose. Et Toulouse Métropole, c'est un club que vous connaissez bien, vous étiez l'an dernier, vous connaissez bien les gens, j'imagine. C'est à titre personnel, est-ce qu'il y avait un petit esprit revanchard ou Revanchard, disons que c'est surtout sur le match aller. Parce que le match aller, on l'a perdu chez nous. Revanchard de ce match-là, après, sur le club, non. Moi, le club, mes grandes années de football sont à Toulouse-Fontaine. À Toulouse Métropole, c'est une partie de Toulouse-Fontaine. Donc, et puis, j'ai coaché longtemps Toulouse-Saint-Jude, moi, non. Toujours bien aimé ce club et beaucoup de joueurs que j'estime dans cette équipe. Moi, je suis simplement heureux pour l'Uzonac et heureux pour les joueurs que j'encadre cette année. Je crois qu'on ne l'a pas volé ce soir et tant mieux pour nous. Bien joué. Grande victoire, bravo les gars. Aujourd'hui on a joué. On a joué. On a joué. On a joué. Métropole. Métropole.